Salut à tous, c'est Killer32. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour faire un zombie modé sur Black Ops en solo. Alors, tout d'abord, vous avez besoin de USB Xtaf, Modio et le GPD. Donc, ils seront tous à télécharger dans la description. Voilà. Alors, vous devez avoir une clé USB qui fait 8 Go environ ou plus. Ensuite, vous devez donc la brancher à votre Xbox. Une fois que vous l'avez branché, vous allez dans paramètres système, après mémoire, ensuite vous allez dans disque dur, vous prenez donc profil de joueur, vous prenez donc votre profil, vous le mettez sur votre vous le faites déplacer, vous le mettez dans carte mémoire, donc c'est votre clé USB. Une fois fait, vous reprenez votre clé USB, vous la branchez à votre PC, voilà. Après, vous ouvrez USB Xtaf, vous faites File, Open Drive, on s'en fout, File, Open Drive, c'est quoi ce bug? Root, Content, machin, vous avez ça, donc ça c'est votre profil, machin, vous le mettez là, voilà, ça vous réduisez donc. Ensuite, vous ouvrez Modio. Donc il est là, mais il est un peu long à ouvrir, hein, donc voilà. Vous déplacez, vous faites glisser ça, là, ce que vous venez de mettre sur votre bureau, dans Modio, hop, vous allez avoir une petite image, enfin votre machin, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Vous allez dans le petit truc là, File Content, hop, et vous cherchez le truc, machin chose, là, qui a le même nom que ça. 4, 15, 68, 55. Pour moi, il est là. Donc, vous faites clic droit et remplace file. Voilà. Et vous le remplacez par celui qui est là. Donc, vous allez choisir bureau et celui qui est là. Le GPD. Voilà. Vous faites ouvrir. Voilà. Et ça fait un petit tong. Voilà. Et ensuite, vous faites rehash and raising. Hop. Vous attendez qu'il y ait un petit truc. Wow. Il y a un son bizarre. Hein. C'est pas grave, hop, ensuite vous fermez, hop, vous retournez sur USB Xtaf, voilà, ça vous faites clic droit, delete, vous l'effacez en gros, et vous prenez donc celui-là, et vous le mettez ici, et voilà, après vous faites ça, hop, vous faites close drive, et voilà. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous devez alors aller dans paramètres système, mémoire, dans jeu, vous allez dans Call of Duty Black Ops et vous supprimez le fichier qui s'appelle je sais plus quoi, il y a un 7 dedans, c'est la mise à jour. Vous la supprimez, donc pas possible de se connecter en live. Vous la supprimez et ensuite vous allez dans je sais plus quoi, il faut vider le cache système, je sais pas comment on fait, on s'en fout. C'est quoi cette merde? Ta gueule! Bon, voilà, vous videz le cache système. Une fois que c'est fait, eh ben vous pouvez lancer le jeu. Après, ça va vous demander des mises à jour, vous les mettez pas. Vous annulez. Et après, vous lancez Black Ops en zombie solo. Alors, en écran scindé, ça marche, mais on a juste les munitions limitées. Enfin, il n'y en a qu'un qui peut avoir tous les trucs et tout. ensuite, donc vous lancez zombie solo et Kino Dertoten ou 5. Mais sur Dead Ops Arcade, ça marche pas. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, et voilà, à plus, pour plus de tutos. Salut !